question pour les pensionnaires d'une maison de retraite près d'Orléans dans le Loiret de recevoir des visites. Ou de sortir. Mesure de confinement exceptionnelle dans cet établissement de la chapelle Saint-Mémin après 6 décès, 4 résidents et 2 personnels soignants la semaine dernière. C'est la grippe qui est la piste privilégiée pour expliquer ces décès. Les explications de Christophe Lugnot de l'Agence régionale de santé du Centre Val-de-Loire. Il y avait en effet des résidents, dont la plupart étaient très âgés, avaient plus de 90 ans, et des personnels de l'établissement. Il faut attendre les résultats des examens pour savoir si en effet il y a une présomption de grippe avérée. Nous avons mis en place l'ensemble des mesures barrières. Hein. Il y a à la fois distribution de masques, il y a une mesure de confinement dans la mesure où toutes les personnes qui sortent, on doit s'assurer qu'elles ont bien reçu les traitements. Et puis par ailleurs, il y a aussi les gestes pour veiller à lutter contre la grippe, qui sont les gestes de tous les jours, bien se laver les mains, etc., etc. Et cet épisode nous rappelle également toute l'importance qu'il y a à se vacciner, d'autant plus quand on est dans des établissements où on a évidemment beaucoup de contacts. Il est trop tôt pour savoir si l'ensemble des personnes concernées ont été ou non vaccinées. Des propos recueillis par Romain Noquet.